Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve dans un dressing tour. Donc, je vais vous montrer comment j'organise mon dressing tout simplement. J'ai pas voulu faire quelque chose de très grand parce que voilà, ma chambre n'est pas hyper grande non plus. Donc je voulais pas encombrer la chambre avec plein de caissons, tout ça. Voilà, je voulais pas faire ça. Donc j'ai essayé de faire un truc assez sympa en fait. Donc voilà, je vais tout vous montrer et tout sera en barre de description. Donc voilà, pour commencer j'ai acheté un caisson, donc un grand caisson. Il a coûté 65 euros et au début on a acheté deux planches. Donc, il y avait une planche comme ça et l'autre elle est tout en bas, et on est resté longtemps avec deux planches. Et c'est très récemment que j'ai décidé de compléter tout ça parce qu'on n'avait plus de place pour les vêtements et c'était assez compliqué. Donc je vais vous montrer comment je range tout ça. Donc tout en haut en fait j'ai décidé de mettre mes bottes parce que en fait mes chaussures je les mets normalement à l'entrée. Il y a une petite armoire en fait à l'entrée de chez moi qui permet de ranger les manteaux, les chaussures, etc. Mais je trouvais que ça faisait... Enfin, mes bottes comme ça, j'aimais pas trop à l'entrée comme ça. Du coup, je voulais un peu aussi habiller mon armoire. J'ai mis tous mes sacs aussi derrière pour pas qu'on les voit trop. Ensuite, j'ai acheté une tringle. Donc elle m'a coûté 15 euros. Je pense pas que le prix ait changé entre temps, mais je vais quand même vous mettre tout en barre de description. Donc j'ai acheté une tringle comme ça et on met tous nos vêtements, enfin pas tous, les vêtements légers, donc les t-shirts, les blazers qui sont assez légers, parce que sinon ça risque de craquer et c'est pas l'objectif. Parce qu'au début en fait on a mis plein de trucs et tout sur la tringle, elle s'est pétée, du coup on n'avait plus de tringle, donc voilà. Du coup là c'est ma partie et là c'est la partie de mon chéri. Alors j'ai décidé de ranger les vêtements un peu par couleur, voilà. Donc là on a tout ce qui est un peu des vêtements un peu sombres, si je peux dire ça comme ça. Donc là on a blazer, chemise, là il y a les robes et tout. Donc là c'est tout ce qui est les vêtements noirs. Donc là il y a tous les vêtements noirs. Ensuite il y a les vêtements blancs et les vêtements de couleur. Ensuite là ce sont des jeans en fait que je voulais mettre sur mon portant, mais je voulais pas non plus trop encombrer mon portant pour pas qu'il se casse. Ensuite là ce sont ses vêtements à lui, j'avais essayé de ranger par couleur mais bon j'ai abandonné. Ensuite là on a une planche normale qu'on avait acheté au tout début comme je vous l'ai dit, et j'ai mis des bougies. Alors les bougies je ne saurais pas trop vous dire d'où elles viennent parce que c'est ma mère qui me les avait données. Au départ je mettais mes sacs ici mais je trouvais que ça faisait pas super joli. Du coup je disais que de base, j'ai été interrompue, je sais même plus ce que je disais. Voilà, je voulais mettre en fait une planche transparente ici mais je ne sais pas, et je voulais rajouter un tiroir pour mettre des bijoux tout ça, mais vu que je n'ai pas 40 000 ça ne servait à rien en fait. Du coup j'ai décidé de laisser comme ça et peut-être même que je vais descendre la planche jusqu'ici peut-être, enfin je sais pas, ça reste à voir. Donc voilà, ensuite le premier tiroir il y a tout ce qui est jogging, pantalon, jean, short, pantacourt, jupe, pantalon simili-cuir, etc. Là c'est la partie de monsieur, donc voilà c'est les affaires à lui. Ensuite le deuxième tiroir, il y a tout ce qui est, je range tout ce qui est pull, donc là ce sont des pulls pour l'hiver, tout ça, là ce sont ses pulls à lui. Et le dernier tiroir, il y a tout ce qui est, c'est un peu le bordel,
Mais c'est tout ce qui est pyjama et vêtements de maison. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri dans ça parce que c'est un peu abusé tout ça. Et tout en bas, il y a mes chaussures que je n'ai pas encore mis d'ailleurs. Enfin, si, celle-là, j'ai mis. Mais c'est pas, y a pas toutes mes chaussures parce que, comme je vous ai dit au début, mes chaussures de base, elles sont à l'entrée de mon appart. Mais voilà, je voulais juste habiller un peu le dressing avec quelques paires. Donc celles-là, je les avais achetées sur Shein. Sur Shein aussi, elles sont super confortables et les talons ne sont pas très très hauts en fait. Donc voilà, c'est super agréable. Je les avais mis pour un entretien, du coup super. Ma petite paire d'escarpins aussi qui me vient de chez Shein. Et cette paire que j'aime trop mais que je ne peux pas mettre parce que ça tient pas en fait sur mes jambes. Ça sort à chaque fois. Enfin bref, je les avais achetées moi chez Boohoo. Donc voilà, de base aussi, ça, je voulais mettre un tiroir coulissant. Mais vu que j'avais déjà une planche en fait, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser la planche en fait. Voilà, peut-être après je vais changer d'avis. Hein. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Bon voilà, il y a encore de la place au fond, mais bon, ça va rester comme ça clairement. J'ai acheté un portant chez Conforama, voilà. De base, je vais vous raconter la petite histoire. De base, je voulais acheter un portant chez Ikea. Donc, je vais vous mettre le modèle. Donc, il était à 9 euros. Et quand je suis allée sur le site, j'ai vu que le magasin était fermé temporairement. Donc, ça m'a un peu dégoûtée. Mais après, aujourd'hui, j'ai été à Conforama. Et j'ai vu ce portant qui est vraiment magnifique en fait. À 18 euros, je crois que je l'ai acheté. En plus, il était en promotion et c'était le dernier jour. Après, il revenait, je crois, 23 ou 25. Je sais plus. Du coup, là, on met les vêtements qu'on a déjà utilisés et qu'on va remettre. Parce qu'en fait, je n'aime pas mélanger les vêtements, par exemple, qu'on a portés une fois aux vêtements propres en fait. J'aime pas trop ça. Du coup, on met tous les vêtements qu'on a portés ici. Et ce que j'ai bien aimé en fait sur le portant, c'est qu'il y a deux petites étagères comme ça. Donc ça, c'est super parce que voilà, je cherche un endroit pour mettre mes chaussettes et mes sous-vêtements. Et ça, c'est super. Du coup, j'ai acheté des petits paniers comme ça à Centracor. Je crois qu'ils étaient à 2,90€. Ou 99, je sais plus. Du coup, là, il y a toutes ces chaussettes. De mon chéri. Et là, il y a mes chaussettes. Et là, du coup, là, j'ai décidé de mettre une plante que j'avais achetée à Centracor il y a longtemps. Là, c'est ma boîte Afrobox. Et derrière, il y a une boîte comme ça, mais il y a mes sous-vêtements. Donc, voilà, pour cacher un peu, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ma boîte ici. De base, elle était tout en haut comme ça. Mais voilà, j'ai décidé de la mettre là. Ça fait joli, ça fait un petit style. Ensuite, concernant mes draps, mes serviettes, etc., je les ai mis dans un tiroir, enfin dans un meuble que j'avais acheté à Atlantis. Du coup, j'ai décidé de mettre ce meuble là, ça, dans ma salle de bain. Donc là, il y a tout ce qui est serviette pour le corps, serviette pour le visage, serviette pour le corps aussi. Là, ce sont mes gants. Voilà. Donc, je trouvais que ça faisait pas très joli à côté de mon dressing. Donc, j'ai plutôt mis ça dans la salle de bain. Et voilà, c'est parfait comme ça en fait. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je fasse un room tour aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous montrerai aussi ma déco au niveau de ma chambre. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bisous!